Un après-midi ensoleillé, Alice est tombée sur un chemin caché alors qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle se promenait dans les bois. Curiosité a pris le dessus sur elle, et Hélène Esperluette Croisillon 39 a pas pu à Esperluette Croisillon 39 empêcher de le suivre. Alors qu'au Esperluette Croisillon 39, elle franchissait une porte étincelante. Hélène Esperluette Croisillon 39 est retrouvée transportée dans un pays de rêve magique appelé Caketon. La terre était remplie de des couleurs vibrantes, des maisons de bonbons et des arômes enchanteurs qui chatouillaient ses sens. En explorant Caketon, Alice a rencontré Monsieur Sugarplum, un charmant fabricant de bonbons. Monsieur Sugarplum avait un scintillement dans son un œil et un sourire malicieux. Il offrit à Alice un avant-goût de ses merveilleuses créations, qui la remplit de joie et d'Esperluette Croisillon 39. Émerveillement. Ils ont passé la journée à rire pendant que Monsieur Sugarplum lui montrait ses bonbons. Usine, où il fabriquait des sucettes qui brillaient dans le noir et des oursons gommeux qui dansaient au son de musique. Alice et Monsieur Sugarplum sont tombés sur un carrousel magique entièrement fait de pain d'Esperluette Croisillon 39, épices, biscuits. Alors qu'au Esperluette Croisillon 39, ils sautaient sur les licornes joliment décorées, le carrousel prit vie et tourna de plus en plus vite. De manière inattendue, elle Esperluette Croisillon 39, une des licornes nommées Cookie a pris vie, se transformant en une vraie licorne avec une crinière de couleur arc-en-ciel. Avec Cookie en tête, ils se sont envolés. Le ciel, passant des nuages de barbe à papa et des rivières de chocolat. Alice et ses nouveaux amis participaient à la course annuelle Sugar Rush. Course à travers les forêts de canne à sucre et de guimauve. Champ, ils ont affronté des personnages dynamiques comme la Cupcake Queen, le Jelly Band Juggler et les Sœurs Sprinkle. La course a été pleine d'Esperluette Croisillon 39. Enthousiasme et Alice étaient ravies de voir tous les des expériences colorées et magiques se déroulent sous ses yeux. Après une compétition acharnée remplie de entre rires et défis, Alice et son équipe sont sorties victorieuses. Ils ont été couronnés Sugar Rush champions par la reine Candy Floss elle-même. La ville entière a célébré son exploit avec un grand fête, où chaque résident a présenté ses créations de dessert unique. C'est Esperluette Croisillon 39, était une nuit de joie sans fin. Du rire et, bien sûr, de la gourmandise avec les friandises les plus exquises. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Caketon, Alice savait qu'au Esperluette Croisillon 39, il était temps de faire ses adieux à ses nouveaux amis. Avec un cœur rempli de gratitude et une poche pleine de souvenirs, elle a remercié Monsieur Sugarplum et Cookie pour l'Esperluette Croisillon 39. Extraordinaire aventure. Ils lui ont assuré que Caketon et l'Esperluette Croisillon 39 accueillerait toujours si elle le souhaitait. Retour. De retour dans le monde réel, Alice a conservé les souvenirs magiques de Caketon et du expérience colorée qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle a vécu chaque nuit, alors qu'au Esperluette Croisillon 39, elle est Esperluette Croisillon 39. Endormait, elle retrouvait elle-même errant à travers le pays enchanteur des confiseries, des oursons gommeux dansant et des douces licornes, un rappel que les rêves peuvent être aussi doux et vibrants qu'au Esperluette Croisillon 39. Elle a osé l'Esperluette Croisillon 39. Imaginez la fin.